Vous parlez comme le Front National. Nous sommes et nous resterons des adversaires. Nous, islamo-gauchistes, mais quel mépris. C'est d'ailleurs assez peu honorable que certains aient utilisé cette qualification contre nous, y compris vous, monsieur Valls. Vous voyez, vous parlez comme le Front National. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Oui, oui, vous parlez comme le Front National quand il s'agit de nous taper dessus, monsieur Valls. Non, non, non. Non, 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 non. S'il vous plaît. Vous me demandez de bander de baisser d'un ton, mais quand vous passez dans une matinale à la radio, vous nous ciblez comme le premier adversaire. Mais c'est assez... Mais... Chut. Très bien. Monsieur Corbière, moi, je continuerai à dénoncer vos prises de position, vos alliances, les liens avec les indigènes de la République et avec tous ceux qui, aujourd'hui, dans les quartiers, représentent un vrai danger parce que, précisément, derrière cela, il y a, oui, l'islamisme radical et l'islam politique. Vous m'avez mis en cause, j'y réponds très tranquillement et avec la plus grande détermination. Nous sommes des adversaires sur ce sujet-là. On peut se retrouver parfois sur la défense des valeurs, mais malheureusement, nous sommes et nous resterons des adversaires parce que vous n'avez pas pris conscience précisément de ce qu'il y a aujourd'hui dans notre société.